Studi de chant de propreté, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, n'est-ce pas? J'espère que tu vas bien depuis tout ce temps et je reviens en force avec une vidéo assez unique en son genre, un thème assez dégueulasse, quelque chose que je ne referai sans doute jamais dans ma vie. Mais j'avais envie d'en parler avec vous, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, je pense que c'est une expérience qui a changé quelque chose dans ma vie et donc je voulais partager avec vous. Alors tu l'as vu au titre de cette vidéo, j'ai passé une semaine sans me laver et là tu te poses sans doute des questions, petit WeCity. Si tu me suis sur les réseaux sociaux et si tu ne le fais pas, je t'invite à le faire, donc Instagram, Twitter, l'outil communauté de YouTube que j'adore, qui est mon outil préféré du monde entier de toute la vie. Je me suis épuisée en disant ça, il fait 2000 degrés et je transpire de la moustache. Donc si tu me suis sur ces réseaux, tu sais que je suis pas parti en Norvège durant une semaine plus un jour, et oui, le petit plus un, c'est mon petit bonus, c'est mon petit côté supérieur, mon petit côté, allez, on en fait un peu plus quand même, parce que c'est tout laisse, quoi. Donc je suis partie en Norvège avec deux amis, une tante, une voiture de location, etc, mais tout ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de celle-ci. Et durant ce voyage, ce road trip, nous ne nous sommes pas laver. Mais dis-moi Jamie, pourquoi ne pas se laver? Eh bien c'est très simple, lorsque nous sommes en road trip, il est très difficile de trouver des douches publiques. Si t'as fait un road trip en Australie, tu vas peut-être me dire bah c'est hyper easy de trouver des douches publiques, parce qu'en effet en Australie c'est très facile, dans presque toutes les toilettes publiques il y a des douches, mais il faut savoir que c'est pas du tout le cas partout, et en Norvège encore moins. Et en plus de ça, les toilettes étaient pas toujours très très... Donc on n'était pas vraiment invité au lavage durant tout ce voyage. Alors là j'ai parlé très personnel, durant le voyage j'ai eu l'occasion de me baigner une fois dans une rivière et merci Seigneur, je remercie cette rivière du fond de mon cœur, puisque la température extrêmement froide de ces eaux a supprimé toute trace de cellulite de mon corps pour toujours, du coup je suis extrêmement contente. Je me suis lavé le visage, les bras, les pieds, un petit peu les jambes, enfin refroidi en fait, dans des sources lorsque nous faisions des treks. Mais le problème c'est que vu que c'est très poussiéreux, après t'as toute la poussière qui se colle sur toi, donc finalement à la limite ça ne sert à rien mis à part à te rafraîchir. Et j'utilisais des lingettes pour bébé pour me rafraîchir dans les parties intimes, histoire de ne pas être trop dégueulasse non plus. Donc j'étais pas totalement dégueulasse non plus, mais il est clair que j'ai pas utilisé de savon, j'ai pas utilisé de shampoing, j'ai jamais trempé mes cheveux dans l'eau, enfin si, une fois quand je suis allée dans la rivière, mais juste trempé parce que je nageais quoi, mais je me suis pas lavée à proprement parler comme on le fait ici chez nous, tout simplement, dans un bain, dans une douche, avec du savon, du shampoing, des bazars. Au niveau des soins, je n'ai rien pris avec moi, je n'ai rien mis sur mon visage pendant une semaine, mis à part de la poussière, de la terre, il n'y avait rien sur mon visage. Et du coup, je vais vous parler des résultats. Donc premièrement, est-ce que je sentais mauvais? Alors je pense sincèrement que je ne sentais pas la rose des champs, mais par contre je ne pense pas que je puais non plus, puisqu'il y avait quand même les lingettes, plus mon déodorant bio, du coup ça allait quoi. On était sur une limite quand même, mais sur une limite assez gérable on va dire. Donc psychologiquement sincèrement ça m'a pas fait grand chose, c'est sûr que si ça avait duré une semaine en plus ça aurait été difficile, mais une semaine ça va. Physiquement par contre il y a eu de gros changements. Au niveau de mes pieds, ils étaient dans un état pitoyable parce que j'avais fait la moitié d'un trek de 15 km à pieds nus, donc forcément les crasses elles restent, j'ai fait plein d'exfoliants etc, mais ça ne part pas. Au niveau de mon visage, il y a un changement incroyable, mon visage s'est transformé. J'utilisais des produits de très grande qualité que je vais utiliser un petit peu plus tard dans la vidéo, puisque je vais refaire toute ma routine habituelle pour tester et voir ce que ça donne. Je n'utilisais aucun produit sur mon visage, juste une petite lingette sur le coin des yeux parce que j'ai des yeux qui pleurent beaucoup et j'ai tendance à avoir des croûtes de sel qui se forment, donc je me lave beaucoup le contour de l'œil. Mais sinon je me lavais le visage uniquement à l'eau de source ou à l'eau des fjords ou à l'eau des glaciers. Je me la pète un petit peu, voilà. Donc juste de l'eau et beaucoup de poussière sur mon visage. Mon visage s'est complètement transformé puisque j'ai énormément moins de boutons dessus, c'est un truc de dingue, je crois que ça a diminué d'à peu près 70% à vue d'œil, je dirais. Les petits boutons qui me restent sont vraiment tout petits, à la limite de disparaître, c'est incroyable, et en plus de ça je n'ai aucune brillance sur le visage. Bref, la qualité de ma peau s'était beaucoup améliorée, je me sentais plus légère, je me sentais plus libre, enfin vraiment la peau respirait, elle existait, elle avait le droit d'être là, c'est bizarre de dire ça mais c'est comme si je lui avais donné le droit d'exister à elle seule, sans maquillage, sans produit. Non, je l'ai laissée vivre telle qu'elle est, sans la déranger, et ça s'est révélé
très très positif au niveau des résultats. Après, je suis rentrée, j'ai décidé de refaire toute ma routine exactement comme je la faisais avant, avec tous mes produits vraiment très très bons, de très bonne qualité, assez chers, etc. Vraiment les meilleurs produits que je possède. Et je vais vous laisser à cette partie de la vidéo, donc où je vais me laver le visage, je vais me laver le corps, etc. Je vais tout faire et ensuite ma réaction. Donc je vous laisse là-dessus, vous ne me verrez plus habillée telle que je suis. A tout de suite du coup, parce que pour vous ça change rien, mais pour moi ça change beaucoup. À toutes. Alors sorry pour le son, vraiment ça va résonner très fort. Je suis dans la salle de bain, c'est une pièce assez vide qui résonne. Une pièce parfaite pour chanter, mais pas pour filmer. Donc on va commencer par des soins visage, puis je vais prendre ma douche, je vais me laver, puis je vais recommencer des soins visage. Donc on va faire les choses à fond de chez fond. Je vais utiliser les choses les plus qualitatives que je possède à l'heure actuelle, du présent, de maintenant. C'est parti, on y va. J'ai l'impression de faire un truc de fou, c'est triste. Ok, on en est là. Je vais commencer, je sais par quoi je vais commencer, je vais prendre un bain de toilette. Alors je vais commencer par nettoyer mon visage en utilisant le latte detergente de chez Ozono. C'est un lait nettoyant tout simplement, nettoyant, démaquillant, etc. Et je vais vous apprendre un truc génial, le lait nettoyant, ça ne se met pas sur un coton. Ça se met sur les mains, ensuite sur le visage, on frotte bien. Et ensuite on vient enlever le produit avec un coton ou un bain de toilette pour ma part, parce que les cotons ça pollue. Un peu d'eau chaude s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande, un petit peu d'eau chaude, je ne demande rien plus. Putain, c'est chaud l'eau chaude. Donc je prends mon gant de toilette et j'enlève tous les résidus de produits que j'ai laissés sur mon visage. Et tadam, ma peau est propre, incroyable. Alors je vais maintenant utiliser la mousse hygiénisante de chez Ozono. Je ne sais pas du tout prononcer cela, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Et je vais tout simplement nettoyer mon visage avec cette mousse. Ah, à la conne. Tiens, c'est cool, ça pique pas les yeux. Incroyable mais vrai. Maintenant je vais utiliser le Tonico Viso, toujours de chez Ozono, qui est un tonique. Alors avant toute chose je vais utiliser ce masque de chez Shu Uemura, que je vais mettre sur mes cheveux évidemment. C'est un masque hyper hydratant, c'est également un masque hyper cher, mais qui fonctionne très très bien. Ça fait vraiment partie des meilleurs produits pour cheveux que j'ai eu l'occasion de tester de toute ma vie. Donc franchement, si vous avez les moyens, je vous encourage à foncer. Si vous les avez pas, je ne vous y encourage pas du tout. Je ressemble actuellement à Draco Malfoy. Et maintenant je vais prendre ma douche. Je suis ultra contente. Genre je crois que je n'ai jamais été aussi contente de me laver de toute ma vie. Tout va bien. C'est parti. C'est fort. Putain, Seigneur, merci. Merci, toi qui es là-haut et qui me vois. Je te remercie si tu savais à quel point. Bon, évidemment, pendant que je fais ça, j'arrête la douche. Hein. Et je vous conseille à vous aussi, parce que franchement c'est du waste à mourir de laisser couler la douche pendant que tu te laves. Enfin, tu laisses couler de l'eau qui ne sert à rien, de l'eau potable. Quelle idée. Arrêtez l'eau de la douche lorsque nous sommes en train de nous laver. Qu'est-ce qui nous arrive, petit Miss Titi? Dans cette vidéo, je vais me laver les pieds. C'est trop chaud. Je vais donc maintenant utiliser mon shampoing de chez Shu Uemura. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il mousse énormément, c'est un truc de dingue. J'insiste bien parce que je suis extrêmement dégueu. J'enlève mes plugs également. Et maintenant, je vais me laver le corps avec mon savon normal, mon gel douche, hein, n'est-ce pas? Oh, c'est extrêmement agréable. Pourquoi? Eh ben nickel, je me suis coupée la cheville en me rasant, j'avais oublié. On va faire 2-3 petites dernières choses avant d'en finir. C'est-à-dire que je vais utiliser un exfoliant pour le visage. Il s'agit du Scrub Esfoliante Fisso de chez Ozono, encore une fois. C'est un exfoliant qui est quand même fort granuleux, donc faut pas du tout appuyer, faut vraiment frotter tout légèrement pour enlever les résidus de peau morte, c'est tout. On n'est pas là pour s'arracher le visage, n'est-ce pas? Ça sent bon. Ma vie est en train de changer. Je prends à nouveau les parts. On va maintenant se rincer à l'eau tiède et essuyer son visage, évidemment. Je vais maintenant prendre un masque hydratant et raffermissant de chez Kiehl's, qui est vraiment génial. C'est un de mes préférés, celui à ginger leaf and hibiscus. Feuilles de gingembre, ça a des feuilles de gingembre. C'est un masque qui est assez rigolo parce qu'il est épais et en fait, une fois qu'il sèche, quand vous faites ça, ça fait des petite boule dégueulasse. Du coup j'adore ce masque parce qu'il est très rigolo, on s'amuse, c'est ludique. Alors pendant que ça pénètre, je vais me brosser les dents avec le charbon végétal activé de chez Aromazone. Alors mon petit Titi, si tu cherches du charbon pour te brosser les dents, je te conseille à 1000% celui-ci, qui coûte moins de 5€ pour le gros pot que j'ai en main. Et surtout n'achète jamais du charbon végétal à 40€, à 20€, à 50€, j'en ai même vu à 60€, même à 70€. C'était incroyable. Il y a vraiment des entreprises qui se foutent de votre gueule royalement. Aromazone n'en fait pas partie, donc je vous conseille vraiment ce charbon-ci pour vous brosser les dents. Quelque chose de très efficace et vraiment pas cher du tout, un prix tout à fait normal.
Coucou, tu veux m'épouser? Je vais maintenant partir au dernier soin qui est le Live Plancton Essence de chez Biotherm, qui est un soin très 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 cher puisqu'il coûte 88€, mais qui est aussi un soin très 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 efficace, un des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'ici vraiment. Je vais le mettre tout simplement sur mon visage et ce sera la fin de mes soins. Je suis tout émue, je suis émotion. Bon, du coup maintenant je mets du parfum, je vais m'habiller et je reviens face cam pour vous parler de mes impressions. Alors mon petit Wistiti, j'ai 2-3 choses à te dire. Petite mouche, veux-tu bien partir de mon visage? Premièrement, j'ai beau m'être lavé 2 fois les pieds et avoir fait un exfoliant, ils sont toujours aussi dégueulasses, donc ça n'a rien changé, madame la mouche! Merci! Deuxièmement, je me sens très très bien dans mon corps. Je me sens propre, je me sens fraîche. J'ai vraiment l'impression de respirer et de revivre. C'est incroyable, c'est vraiment la meilleure sensation du monde. Par contre, il y a une chose très négative. Mon visage. J'ai l'impression d'avoir pris le visage de quelqu'un d'autre, de l'avoir découpé et de l'avoir collé sur le mien. Tellement la sensation est horrible. J'ai l'impression d'avoir une couche de 10 cm de je ne sais quoi sur le visage. Je sens qu'elle ne respire plus du tout. Je sens qu'elle est étouffée en dessous de toute cette couche de millions de produits mélangés ensemble, de tous ces ingrédients toxiques finalement qui se sont mélangés sur mon visage alors que c'est du layering, que c'est supposé être bon pour ta peau. Mais là, tout ce que je ressens, c'est que j'ai envie de mourir, c'est la pire sensation qui existe sur cette terre, je suis vraiment pas bien du tout. J'ai l'impression que j'ai 2 mains sur le visage comme ça, qui pressent mon visage en continu, c'est vraiment pas agréable du tout, c'est extrêmement pressant. Je suis extrêmement choquée, je ne m'attendais pas du tout à ça, je pensais sincèrement que j'allais me sentir hyper bien, que ce soit dans mon corps, mes cheveux ou mon visage, je pensais vraiment que ça allait me faire un bien fou d'utiliser ma routine habituelle, et finalement au niveau du visage c'est pas du tout le cas, je me sens très mal et je suis en train de réaliser, je pense, que mes problèmes de peau sont dus aux produits que j'utilise. Et non parce que c'est ces produits-là, mais parce que ce sont des produits tout simplement. C'est comme incroyable que j'ai une meilleure qualité de peau en ne me lavant pas pendant une semaine que quand je fais ma routine soin. Ma peau est beaucoup plus dégueulasse avec tous ces produits nettoyants et hydratants qu'avec de la poussière. Da fuck! Je suis extrêmement choquée et il est certain qu'une fois que j'aurai éteint cette caméra, je fonce dans la salle de bain, j'attrape directement mon savon au charbon, je me lave le visage et je n'y touche plus jamais. Je suis choquée les amis, choquée, choquée. Je suis en train de réaliser des choses que je ne pensais pas réelles, auxquelles je ne croyais pas, qui pourtant sont là, qui pourtant sont vraies. Et vraiment, je te conseille petit Wistiti, si tu as des problèmes de peau ou même si tu n'en as pas, pendant une semaine ou même 2, tu arrêtes tout. Que ce soit les soins, les sérums, les masques, le maquillage, tout, tu arrêtes tout et tu vois ce qui se passe sur ta peau. C'est une cure de jouvence. Mon petit Wistiti, juste une petite chose avant d'en terminer, si tu as envie de voir des vlogs sur la Norvège, ça va arriver tout bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche à côté quand tu es abonné, comme ça bah si tu vois pas mes vidéos d'habitude, et ben là tu les verras, voilà, c'est super cool, hein, oui. Et bien sûr il y aura plein de vlogs et de vidéos sur mes voyages qui vont suivre puisque c'est pas terminé, je vais retourner en Australie puis je vais aller en Nouvelle-Zélande, on va faire les choses bien mon petit Titi, on va voyager énormément cette année et peut-être bien les années qui vont suivre parce que j'ai vraiment envie de vivre du voyage, j'en ai marre, je me casse d'ici, c'est de la merde, je me tire, salut les bouseux. Alors j'ai changé de cadrage parce que le soleil est en train de faire des siennes, je sais pas ce qui se passe, j'ai 36 000 nuages de toutes les couleurs dans le ciel, c'est insupportable. Bref, je voulais te dire mon petit Wistiti qu'il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer ces prochains mois et années sur ma chaîne, j'espère vraiment que ça te plaira, en tout cas moi je changerai pas d'avis puisque je vais voyager, je veux voyager et du coup bah ce que je veux faire je le fais, voilà tout simplement, je vis mes rêves, je ne rêve pas ma vie. Je t'invite à t'abonner à mon Instagram si c'est pas déjà fait parce que j'y poste toutes mes photos, que ce soit de voyage, de moi ou peu importe, hein, je poste toutes mes photos là-bas. Sur ce mon petit Wistiti, j'espère que le concept de cette vidéo t'a plu, je te fais un gros bisou et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut.